Salut tout le monde, c'est Sacklemon. Aujourd'hui, on se retrouve sur Hearthstone. Donc, un jeu d'après moi que vous connaissez tous pour aller dans le mode aventure. Et oui, c'est nouveau. Depuis, je pense, 2-3 jours, dépendant quand je vais sortir la vidéo. Puis, qu'est-ce qui est spécial? Ben, on est rendu, ben, c'est dans la section entraînement. On est avec Naxxramas, la malédiction de Naxxramas qui est nouveau. Oups. Je voulais baisser le son un petit peu. Donc on a 3 modes. Puis j'essaie de battre. Donc faut essayer. C'est plein de boss. Donc. Quoi? Comment as-tu atteint le seuil de Naxxramas? Ok. Donc il y a plein de chefs. Accès obtenu. Khan est l'un de mes plus puissants seigneurs araignées. Alors bonne chance. Ok. C'est quoi son affaire? Pouvoir héroïque invoque un érubien 3-1. Il est fort en montadine. Donc c'est pas des petits boss. Oh cool! Détruit tout serviteur blessé. Donc ça va être la carte qu'on va avoir à la fin quand on aura battu les 3. Donc on va y aller. Bon, moi ça fait pas très longtemps que je joue depuis hier. J'avais joué avant, mais sur chez des amis. Donc depuis hier, je commence à jouer sur mon compte. Donc je suis déjà niveau 18, j'ai un petit peu gamé hier. Donc on va y aller. Bon, on espère un premier essai. Je vous convainc pas que je vais réussir. Contre Anubrekan. J'ai pris mon deck bite. Bienvenue dans mon antre. Que la traque commence. Ça, je n'en ai pas besoin. Compagnon animal. Le qui fait. Bon, ça va quelque chose de la débarrasser. On va mettre lui. On le met direct à les gars. Fin de tour. Destrier de la marche. Inflige 3 points de dégâts à votre héros. Putain, c'est normal là. Plus près, morceau de choix. Prendre un compagnon animal. Tiens, t'appuies sur lui en attendant. Que. T'as ça, ses points de vie. Bon, j'ai pas besoin. La mort ne me fait pas peur. C'est toutes des nouvelles bêtes en fait. Relagani, vos serviteurs. Vos adversaires placent un serviteur de son deck sur le champ de bataille. Oh, c'est le fun, ça. Je pense que je vais jouer ça. Faut pas chercher longue défense. Instant. En tout cas, on va taper lui dessus pendant longtemps. Au début de votre tour, rend tous ses points de vie à ses serviteurs. Dans le fond, faut que je le tue one shot. Oh, ça c'est vrai, je l'ai en plus. Les chiens sont de sortie. Oh, j'aurais dû mettre ça avant. Putain. Gagne +1/+1 au début de votre tour. What? Mais il est cheaté. Ici. Tiens, deux provocations.
Ah oh, ben, ok. Il va me faire chier. Où je l'enlève? Bon, lui, c'est ça. Si c'est ça, lui. Fait un flèche multiple, oui. Et vous me mettez dans ta gueule. Je suis en train de mener quand même. Envoie un serviteur allié aléatoire dans la main. Ok. En tout cas, ça en est 5-5, donc c'est quand même bon. Pour Nero. Krieger, âge code de. Ok. Ça, faut pas que je le détruise, ça va invoquer un érubien. Secret. Mais bon, je l'ai tué quand même. Une flèche. Ça va faire une marque du chasseur sur ça. Ouais. Juste avant. Je qui renvoie. Hop. Hop. Et voilà. Je suis vivant. Ok, bah t'es revenu. C'est pas grâce à lui a fait perdre de mana. À vous de jouer. Bon, mais j'ai pas le choix. Hein. Ah, je vais peut-être le battre. Prochain tour, s'il me tue pas un de mes deux gars. Ce qui est pas étonnant. Non, c'est vrai, s'il me le tue pas lui, j'ai gagné. Vous allez adorer ma nouvelle recette. Non. Vous allez adorer ma nouvelle recette. Oui. Et voilà, on a gagné. Nous devons hop, purifier plus le plus de soleil. Parce que c'est bien trop chill, puis ça, ça ne m'a rien. Hop. Dans sa gueule, on lui a une flèche. Et voilà. Donc, première victoire. Pourquoi? Pourquoi? Aucune importance. Tu ne pourras jamais vaincre la grande veuve. La grande veuve. Râle de gagner invoque deux arrêts. Je l'avais pas déjà celle-là. Ah. Ah ben, ah, c'est bon. Faerlina forme des acolytes à m'adorer. Son travail est extrêmement important. Ne la dérange pas. Donc c'est quoi son pouvoir héroïque? Tire un missile pour chaque carte dans la main de votre adversaire. What? Dans le fond, faut pas que j'aille de carte dans ma main. Bon, c'est parti. On va prendre le même deck parce que c'est mon seul deck qui est bon. Juste le chasseur que j'ai hein, que j'ai farmé. Je pense que mon deuxième est niveau 5 donc. Rexar contre grande veuve Faerlina. Ok. Mes acolytes me servent sans poser de questions. Que la traque commence. Hop, puis je commence. Ça sert à rien pour l'instant, ces deux cartes-là. Ben tiens, redonne-moi exactement la même carte, merci. Bon, tu peux rien faire. Travail terminé. Travail terminé. À mon tour, je joue ça avant. Puis c'est tout.
À genoux, vermisseau. Non, non. Jouer ça. Faut pas chercher longue défense. Faut pas chercher longue défense. Et c'est tout. Oh. J'ai l'impression que ça va être chien. Franchement, tout ce qu'elle fait, c'est détruire mes cartes. Ça et ça. Ah, je joue pas de carte, mais en fait, des dégâts. Vos adversaires piochent une carte. On va jouer ça. Je suis situé où j'attaque avant. Oh, tiens. Pourquoi c'est des dégâts? Fin du tour. Oh putain. Fonchez ces cartes. Nous devons purifier le puits de soleil. C'est quoi ça? C'est de précision. Ça va lui faire 4 de dégâts, parfait. Ah bah, il est terminé. J'ai une bonne carte là. Les damnés se tiennent prêts. Secret, c'est quoi son grade de gagner? On passe trop peu à un serviteur allié. Bon, ça ne sert à rien, yes. Bon. Que je mets ça. J'ai une flèche dans sa gueule. En avant. En avant. Un tour. Bon, on va en mettre. Je vais véritablement mettre deux sur lui. Au nom du maître. Otero a plus un attaque. Dans ce tour. Donc elle a un attaque à chaque fois qu'il est là. Parce que c'est pas un cri de guerre. Tiens, on regarde ça, ça. Toi, tu vas mourir. Hop, je suis dessus. J'ai échoué. Puis puisqu'ils ont toute charge, il y a furie des vents. Douleur. Oh, ça passe proche. Assure-moi tes mots à l'oreille. Joignez-vous à nous ou mourrez. Ou les deux. Ou les deux. Trois. Attends, ça fait 6, 8. Ok, j'ai gagné. Bim! Flèche dans sa gueule, et voilà! Wouhou! Ouais! Bon, j'ai... Aérolina ne prouve rien. La reine des araignées va t'expédier en un rien de temps. Seigneur... Je suis même pas capable de lire, c'est tellement petit. Seigneur de la quelque chose. Les serviteurs avec cri de guerre coûtent 2 cristaux de plus. Ok. Donc c'est qui le dernier boss de cette vidéo? Mike Sna est une araignée géante. Mike Sna. C'est pas celle-là qu'on a? Ah oh, ben oui. Ah oh, ben tiens, on va avoir celle-là à la fin. Ah oh, ben c'est cool. Puis on gagne œuf de Nérubien, mais je pense que j'étais déjà. M'entoilage. Renvoie un serviteur ennemi aléatoire dans la main. J'ai l'impression. Oh, ok, ça coûte 3. J'ai l'impression que ça va quand même être chiant pour moi. Renvoyer tout le temps une bête dans mon deck là. Rexar contre Mike Sna. Que la traque commence! Que la traque commence! Je trouve que c'est un bon début. Commencer.
J'ai l'impression que... Oh! Oh, et en plus, c'est le nouveau décor. Yeah! Faites les yeux. Ce poison te tuera sans douleur. Ou presque. Ou presque. Bon. On va faire un dégât tellement gratuit. Instore. Radagini ajoute une carte bite. Aléatoire dans votre main. Bon ben on peut succéder sur le total et on lui met un petit peu de dégâts en face. Je ne peux pas faire ça. Oui, tu peux faire ça. Ici. Travail terminé. Tiens, bats-toi contre ça. Oh non. Comment appelle-t-on un joueur dont le serviteur vient de se faire entoiler? Un condamné. Condamné. Travail terminé. Dis-moi pas qu'elle fait encore en toilage. Putain. Au moins c'est celle-là. Une flèche de points de dégâts, non, je veux pas. Je joue quoi? Je pense que je vais jouer. Tiens, un autre. Compagnon. Ici. Il est dans ta gueule. Et bien sûr. Boum. Oh. What? Le rhum couleur. On veut l'avoir? Bon, bah, c'est sûr que je vais me suicider contre lui. Les bananes qui est complètement cheaté. Butez-le! Oh tiens, je vais le laisser venir sur moi. Non, c'est vrai que... Non, j'aurai pas le choix. Donc, je peux donner plus 1, mais ça me sert à rien pour l'instant. Donc, juste faire... ça. Bon, on commence bien là, ça va très bien. Détruire un serviteur là, qui... Oh non, pas lui. Entoilage. Bon, un suicide le plus total. J'ai plus de compagnon en image, je pourrais me faire ça pour me débarrasser de ça pis ça. Ça, avec ça, ça, ça. Ça me fait une belle chute. Tiens. Ça. Ça. Et tiens. Frappez fort! Il reste plus que 10 points de vie. Et bien sûr. Il me redonne ses 4. Non, non. Putain. Il gagne tous ses points de vie, donc d'après moi, je vais me mettre. Chasseur. Et sinon, bah tiens, je mets ça dans sa gueule. Comme ça, si le prochain tour il fait rien, ben il est mort. Il peut me faire de l'âge, bien sûr. Oh, une chance, c'est lui. Parce que là, je peux attaquer quand même. Dis-moi pas que. Fin du tour, fin du tour, fin du tour. Yeah! Et voilà, on a gagné. Juste pour le swag, mets ça, mets-moi ça, mets-moi ça. Non, ça passe! Perfect! Ouais! Impossible! Ce n'est pas terminé, pauvre mortel. Donc j'ai gagné 9 de Nérubien. Les œufs de Nérubien, donc quand ça meurt... ça va nous donner des 4-4. Des Nérubiens, dans le fond. Le 4-4. Donc là, on va voir le. Ouais!
Détruis tout serviteur blessé par serviteur. Tu te sauver. Tu te trompes lourdement. Durée des voleurs. Défi de classe. Ouvre la deuxième semaine. Donc, on a fini pour cette semaine. Cette vidéo aussi. Je pense qu'on peut retourner se battre contre en entraînement. Oh, ben, c'est cool. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, laissez un pouce vert. Je trouve que j'ai quand même assez bien géré. C'est la première vidéo que je fais sur Hearthstone. Je vais probablement faire plus. Sinon, abonnez-vous à ma chaîne pour savoir quand je vais aller contre le quartier de la peste, le quartier militaire, le quartier de l'assemblage et les antres du Worm de Givre. Donc, probablement une vidéo chaque semaine. Je sais que pour l'instant c'est gratuit, mais plus tard ça va coûter de l'argent. Donc, de toute façon, je vais farmer un petit peu pour avoir de l'argent et pouvoir vous le faire. Sinon, j'ai amélioré mon gars aussi. Donc, c'est tout pour cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Bye bye.